Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit Photoshop. Alors aujourd'hui, on continue notre série consacrée au mock-up et je vais vous apprendre une seconde technique pour arriver à vos fins qui sera, on va dire, un petit peu plus pratique, surtout si vous êtes adepte de la mise en situation. Donc là aujourd'hui on va vraiment partir de rien, on va, on va tout créer de A à Z, mis à part le background et les petites attaches. C'est-à-dire qu'on va créer un gabarit de page, qu'on va euh, transformer en objet dynamique, on va lui appliquer une petite déformation et vous allez voir qu'au euh, double clic sur ce gabarit il sera très facile de venir changer du coup le graphisme, d'appliquer par exemple un, un autre visuel, de l'enregistrer et Photoshop se chargera de changer automatiquement dans euh, notre, notre affichage tout en appliquant et en tenant compte de la déformation du, euh, du gabarit. On apprendra également à créer euh, une petite simulation de pliage hein, et puis à apporter un petit peu de grain aussi euh, à la fiche. Voilà, c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, on commence le tuto sans plus attendre. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous demander de télécharger les fichiers sources puisque vous aurez besoin de certains éléments pour réaliser le mock-up. Donc euh, là, on va vraiment partir de rien pour euh, mettre en situation une affiche. On va juste récupérer un petit arrière-plan et puis euh, des éléments hein, qui vont euh, nous permettre de suspendre notre affiche. Donc on va commencer, donc histoire de garder un petit ratio et être cohérent, on va venir créer un nouveau document, donc fichier nouveau document ou commande N ou contrôle N, et puis on va venir se mettre en format papier euh, international, on peut se mettre en A4, et puis voilà, bah vu qu'on est sur du web, on peut se mettre en 72. Donc je vous rappelle, hein, le format A4 21-29-7, on fait OK, et voilà, c'est parfait, on a notre, euh, notre format. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps, on va venir afficher les règles. Donc pour afficher les règles, on appuie sur Commande ou Contrôle R si elles ne sont pas affichées. On vient sélectionner dans la partie de gauche les règles. Donc on clique, on maintient le clic enfoncé et on vient se caler vraiment au bord du document. Vous ne pouvez pas vous louper, il y a un magnétisme. Donc une fois que vous êtes au bord du document, vous relâchez. On fait exactement pareil avec la partie haute on vient chercher des règles en haut. Et pareil avec la partie droite, et enfin avec la partie basse, pareil. Pourquoi on fait ça Tout simplement pour délimiter notre document. Maintenant, on va appuyer sur les touches Commande ou Contrôle, Alt et C pour augmenter notre euh, taille de zone de travail. On peut se remettre, si vous voulez, en centimètres pour euh, y voir un petit peu plus clair. Et là, on va se mettre en largeur à 40, et puis euh, en hauteur, on va pouvoir se mettre à 50 par exemple, et on valide. Donc là on vient d'élargir notre espace de travail, vous êtes d'accord, on est toujours centré par rapport à notre document, donc c'est parfait. Et on va vraiment travailler dans cet espace ici. On va pouvoir, euh, là on est toujours sur le gabarit, hein, juste rajouter euh, des petites marges, puisque là donc ça va être notre affiche, d'accord, hein, dans la partie blanche, on va rajouter des petites marges hein, histoire de, euh, de donner un contour assez épais, blanc euh, à l'affiche. Donc pour ce faire, on vient prendre l'outil rectangle de sélection, raccourci clavier M. On vient se mettre ici dans, dans l'angle en haut, donc à gauche de, de la partie blanche, on appuie sur Shift et on vient faire un petit, un petit carré de 20 pixels par 20 pixels. Donc là on ne peut pas se gourer, vous voyez, Photoshop nous donne bien les mesures. Donc là on est bon, on peut relâcher. On prend les règles, tac, on vient la caler ici dans, euh, dans la partie gauche de la sélection. Et puis on reprend une règle en haut et on vient la caler ici dans la partie haute. Donc là on va faire exactement pareil, on se met à l'autre bord, on fait un petit euh, carré en appuyant sur Shift de 20 pixels. Et puis on vient prendre une règle, un repère et on vient le caler ici à droite. On fait exactement la même chose en bas, un petit carré de 20 pixels. Donc normalement il y a le magnétisme hein, donc on ne peut pas se, euh, se gourer. Et on prend la règle et voilà, on met dans la partie basse de la sélection notre repère. Donc là c'est parfait. On peut venir double-cliquer sur l'arrière-plan si on veut euh, du coup le modifier hein, et pour le déverrouiller. Là il n'y a pas grand intérêt puisque ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir récupérer bg.jpg et on va venir le glisser directement dans euh, notre document. Alors sinon ce qu'on peut venir faire aussi, c'est faire un clic droit ouvrir avec Photoshop. Voilà. Comme ça, au moins, ça, il ne sera pas converti en quelques dynamique. On fait un commande ou un contrôle A pour euh, le sélectionner, un contrôle ou un commande C pour le copier. On retourne donc dans nos documents et puis on va venir euh, faire un commande V ou un contrôle V pour le coller. On peut venir dézoomer en faisant contrôle moins ou commande moins. Et là, on va faire Commande T pour Transformation manuelle. Vous voyez qu'il est un petit peu grand, donc du coup, on va appuyer sur Shift pour garder le ratio, et on va le réduire. Donc, on prend une petite poignée, par exemple ici en haut à gauche, on peut venir le déplacer comme ceci dans le document. Donc là, on aurait très bien pu rester comme ceci, hein. c'est pas mal, ou sinon, vous pouvez, en appuyant sur Shift, vous voyez, le euh, faire une petite rotation. Après, c'est vraiment, euh, vraiment vous qui voyez. Hein. Là, ça ne me paraît pas trop mal. Si vous voulez être vraiment sûr du milieu absolu, vous pouvez faire un commenté sur le calque 0 et puis reprendre un repère, vous voyez, et euh, le positionner comme ceci. Vous pouvez du coup faire exactement pareil avec le repère central, comme ceci. Voilà, donc là, on a bien quadrillé notre espace de travail. Si bien que le calque, le calque 1, si on veut vraiment être sûr qu'on euh, qu est centré, hein, donc on peut venir le positionner, vous voyez, ici. Et la poignée du haut ici à peu près au milieu. Donc là, on est bon, on est vraiment bien. Donc après on pourra même venir le remonter un petit peu, hein, puisque la fiche va masquer la partie la plus claire. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop sombre, donc euh, vous pouvez appuyer sur commande ou contrôle L pour jouer avec les niveaux. Donc par exemple, on peut venir ramener la flèche des noirs, des blancs pardon, un petit peu euh, vers la gauche, histoire d'éclaircir. La flèche des blancs un peu vers la gauche, histoire d'éclaircir les blancs. La flèche euh, des gris, pareil, si vous voulez éclaircir un petit peu, vous pouvez la ramener un petit peu sur la gauche. Les noirs les plus profonds, vous pouvez euh, les mettre en plus intense hein, en ramenant la flèche vers la droite. Après, c'est vraiment vous qui voyez. D'ailleurs, je vais peut-être la déplacer un petit peu plus vers le haut, comme ceci. Donc là, on est pas mal. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, euh, on va venir. Déjà, on peut venir modifier l'appellation calque 1, on va l'appeler BG. Et on va créer un nouveau calque. Donc ce nouveau calque, on va l'appeler gab. Double-clic pour gabarit. Ga bah, ou gabarit comme ceci. Voilà. On va venir prendre l'outil rectangle de sélection et on va venir créer, par exemple, ou ce qu'on peut venir faire aussi c'est créer c'est prendre l'outil rectangle arrondi donc raccourci clavier U et créer donc un rectangle arrondi qui va reprendre en fait le, euh, les contours blancs que l'on a spécifié avec les repères donc à peu près comme ceci après au niveau de la couleur bah, on peut ici se mettre en blanc si on veut donc on peut ouvrir le sélecteur on se met en blanc on fait ok et au niveau du, euh, du radius donc euh, ce que j'appelle le radius, c'est les coins, vous voyez qu'ils sont un petit peu arrondis ici. On peut baisser un petit peu, on va essayer de se mettre en 3 partout. Donc là c'est pas mal, ou peut-être en 2. Voilà, histoire d'arrondir un tout petit peu les coins. On va voir ce que ça donne. Si on appuie sur Commande H ou CTRL H, vous voyez, c'est pas vraiment net. Donc à la limite, on peut laisser comme ça. Ça fait un petit effet. Donc c'est euh, super. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un clic droit sur notre gabarit et on va venir cliquer sur convertir en objet dynamique. Donc ça, maintenant, on peut venir fermer le groupe d'onglets. Donc là, le fait de convertir en objet dynamique, ça va vraiment nous être utile. Vous allez voir euh, par la suite pourquoi. On peut commencer, si on veut, enfin euh, continuer par euh, créer un, une petite déformation à ce gabarit parce que généralement, il y a toujours une petite perspective hein, quand on prend une image, surtout de face. Donc on va, on va se mettre sur le gabarit, on va appuyer sur commande ou contrôle et T. On va faire un clic droit, et on va cliquer sur déformation. Donc là, l'idée, ça va être de ramener le point, donc on peut faire commande et H, hein, si, euh, <coughs> si on veut. On va, re, on va le refaire, contrôle T, déformation. Donc le fait d'avoir fait commande H, euh, j'ai masqué les repères, qui peuvent être un petit peu gênants. Voilà, on va l'élargir un petit peu, on va l'étirer le point en bas à gauche un petit peu vers la gauche et le point en bas à droite, on vient l'étirer aussi un petit peu. Si vous voulez, on peut venir ramener aussi à peu près le milieu, on peut le ramener un petit peu plus vers le haut, l'étirer vers le haut, histoire de faire une petite courbe. Si bien que euh, les deux points ici aussi, on peut venir les ramener un peu plus vers la Droite et ceci un petit peu plus vers la gauche. Voilà, comme ça on essaie de donner une forme en fait à notre, à notre affiche. Et ici aussi, hein, on peut venir étirer légèrement. Et ici aussi. Après, c'est vraiment à vous de, de déterminer la direction que vous voulez donner. Là, ça me semble pas trop mal, alors je vais valider. Soit je fais entrer, soit j'appuie sur la petite flèche ici. Ok. Donc, on va pouvoir créer une petite ombre portée si on le souhaite. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est créer un nouveau docu un nouveau calque qu'on va venir placer en dessous, qu'on va appeler ombre 1 par exemple. On va venir se mettre en noir 100% donc en premier plan. On va venir prendre l'outil lasso et on va venir mettre un petit contour progressif. On peut essayer de se mettre en 20, on va voir ce que ça donne. Et là ben, on va... Après ça dépend vraiment de la direction de l'ombre que vous voulez donner. Par exemple, on va se placer à peu près ici. On va appuyer sur Alt pour euh, du coup euh, pouvoir faire un, un tracé euh, continu. Voilà, on va faire quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Et on ferme le tracé comme ceci. On va faire édition remplir. Pardon. Édition remplir couleur de premier plan à 100% d'opacité. Et on fait OK. Donc là vous voyez le fait d'avoir mis un contour progressif, ça nous floute un petit peu notre ombre portée, c'est pas super net, donc c'est un petit peu plus réel. Si on veut jouer un petit peu plus sur la perspective de l'ombre, un petit coup de CTRL T ou commande T. Clic droit, déformation, et puis on peut venir encore une fois déformer notre ombre portée. Voilà, comme ceci. Et ici à peu près comme ça ok pour apporter un petit peu plus de flou on peut cliquer sur filtre flou et flou euh, pas directionnel pardon filtre flou flou gaussien donc là je peux essayer de zoomer un petit peu plus et on peut jouer vous voyez sur euh, bah sur le rayon histoire de flouter un petit peu plus tout ça et de le fondre avec euh, dans notre document donc là, ça me paraît pas trop mal. Donc après, si vous trouvez que c'est trop noir, bah, il vous bon à vous de baisser l'opacité du calque et de la mettre à 80%, par exemple. On peut venir, euh, bah, si on souhaite, dupliquer encore une fois le, euh, notre calque ombre 1. Donc pour dupliquer un calque, on peut appuyer soit sur Commande J ou Contrôle J. Et on peut venir, maintenant, si on veut, vous voyez, le, euh, le déplacer un petit peu plus vers le bas. Baisser un peu l'opacité, par exemple, se mettre à 50. Voilà. Et puis après un petit coup de CTRL-T, clic droit, déformation, si on veut encore une fois faire appliquer une déformation à, à cette ombre portée. Après, hein, c'est vous qui voyez. Voilà. Le calque ombre 1, si vous voulez, hein, vous, on peut le remonter un petit peu. Un petit coup de CTRL-T aussi, déformation, si on, bon, si on trouve qu'on l'ombre n'est pas forcément euh, terrible terrible n'hésitez hein, pas à la transformer donc là euh, dans cet exemple on va rester comme ça donc là c'est parfait on a créé notre euh, no, nos ombres portées si le bg vous le trouvez encore un petit peu euh, un petit peu trop sombre un petit coup de contrôle ou de commande L hein, on n'hésite pas à comment euh, à éclaircir tout ça voilà ça me paraît pas mal donc euh, bah maintenant ce qu'on va faire on va pouvoir venir appliquer notre, euh, notre affiche. Donc là, vous vous rappelez, on avait créé ce qu'on appelle donc un calque dynamique. Donc ce calque dynamique, donc qui porte le nom de gabarit, on l'avait un petit peu déformé, d'accord Maintenant, je vais vous demander de double-cliquer sur bah, ce même calque, donc le calque Gabarit, et vous allez voir que Photoshop nous crée un nouvel onglet. Il nous crée un onglet directement avec les repères que l'on avait appliqués tout à l'heure. Donc c'est vraiment parfait puisque maintenant, donc euh, si on prend par exemple une affiche que l'on a créé, que l'on fait ouvrir avec Photoshop. Je fais un petit Ctrl C pour la copier, un petit commande V pour la coller. Je vais la réduire un petit peu. Et là, je vais essayer bah, de la remettre euh, de la remettre aux dimensions de la euh, l'affiche. Voilà, donc si elle est un petit peu écrasée, c'est pas grave, elle était pas forcément au bon format et je fais euh, entrer pour valider donc là j'ai bien gardé ma petite marge blanche ok et si j'enregistre ce calque donc je fais Ctrl S ou Cmd S et que je reviens sur euh, mon, mon mockup Photoshop m'a automatiquement euh, inséré mon mon affiche dans mon gabarit donc dans mon calque dynamique et si vous remarquez Photoshop a aussi automatiquement va garder en mémoire que j'avais déformé, vous voyez, mon affiche, et applique du coup cette déformation à l'affiche. Donc là c'est vraiment parfait puisque on a vraiment une, euh, bah, une, dyn une, une dynamique on va dire dans, dans l'affiche. Ce n'est pas plat et tout. Et euh, si on veut par exemple prendre une, au une autre affiche, par exemple celle-ci, que j'ouvre avec Photoshop, un petit coup de CTRL A, CTRL C, et que je viens la coller directement dans mon gabarit je vais la réduire un petit peu. Tac. Voilà, je la replace comme il faut. Je la remonte. Je viens l'écraser un petit peu. Je valide. Je l'enregistre. Si je reviens sur mon mock-up, et voilà, Photoshop m'a encore une fois euh, mis à jour automatiquement mon calque dynamique. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque ça va vous faire gagner un gain de temps. C'est une deuxième méthode hein, qui vous fait gagner un, un gain de temps considérable. Hein. Donc surtout si vous avez une belle photo, que vous faites un, un joli mock-up, bah, du coup vous pourrez l'utiliser euh, bah, pour présenter euh, des mises en situation à vos clients ou euh, directement mettre, euh, mettre tout ça dans votre portfolio. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est appliquer euh, bah, les, les éléments que l'on retrouve dans le dossier source. Donc là je vais masquer le calque 4. J'enregistre, vous voyez, tac, j'ai bien mon affiche bleue qui réapparaît. Bref, je retourne dans mon dossier source, je double-clique sur élément affiche. Voilà, à la limite, la chaîne et les pinces ici, donc sur mon PSD, je fais un clic droit. Je les sélectionne, clic droit, je les fusionne, un petit coup de commande A ou contrôle A pour tout sélectionner, commande ou contrôle C pour copier, je retourne ici dans mon dans mon mockup et je fais contrôle V pour coller tout ça. Ça, je vais l'appeler par exemple attache. Attache-je vais mettre euh, gauche. Et du coup, ben, maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner notre attache hein, comme il faut dans notre, euh, dans notre document. Après, c'est vraiment à vous de voir où vous voulez le positionner. Hein. Moi, je vais le mettre ici, par exemple. On peut lui appliquer une petite ombre aussi euh, portée à cette attache gauche. Donc, on vient double-cliquer sur Attache gauche et on va venir cliquer sur Ombre portée. Donc, là, vu qu'on a mis quand même une ombre qui part vers la gauche, à la limite, hein, on va pouvoir euh, donner, donc cliquer sur Ombre portée, donner une direction. Donc, on peut se mettre par exemple à 55. Au niveau de la taille, on peut légèrement augmenter, hein, la mettre à peu près à 7. Après, si vous voulez augmenter aussi la distance, vous pouvez. Tac, donc, on peut peut-être augmenter l'angle, enfin, le mettre plutôt à 45. Voilà, et puis euh, l'opacité, vous pouvez, euh, par exemple, la mettre à 50. Vous faites OK. Donc là on a bien notre attache gauche avec notre petite ombre portée, et euh, bah, il nous suffit maintenant de la dupliquer en faisant Commande J ou CTRL J pour la dupliquer et ici on va renommer ça en attache droite. On va appuyer sur Shift et on va déplacer notre attache un petit peu plus vers la droite. Donc le fait d'appuyer sur Shift hein, ça nous permet bah, de rester vraiment sur la ligne horizontale, et là on n'a plus qu'à venir la placer à l'endroit désiré. Donc on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Euh, maintenant, ce que j'ai tendance aussi à faire, c'est rajouter euh, un petit grain aussi. Donc pour ajouter du grain, on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler grain, et euh, on va venir par exemple se mettre, euh, je sais pas, on peut se mettre en gris par exemple. Voilà. On fait édition remplir ou shift et retour. La touche retour va, euh, se trouve au-dessus de la touche entrée. Et euh, le fait de faire shift retour, ça va directement remplir avec la couleur de premier plan ici. On va venir cliquer sur filtre bruit et on va faire, on va faire ajout de bruit. Donc là, on se met en monochromatique, en gaussienne, au niveau de la répartition et puis euh, au niveau de la quantité. Après, c'est euh, vous qui voyez. Hein. On peut essayer de se mettre en 15%. On fait OK. Et là, on va venir se mettre en produit. Donc là, vous voyez, ça applique un grain un petit peu partout sur le document. Mais c'est un petit peu euh, violent. Donc, on va venir baisser l'opacité. On peut se mettre à peu près à 15% d'opacité. Ça me paraît pas mal. Après, si c'est un peu tout uh, match pour vous, bah, livre à vous de baisser encore un peu plus l'opacité. On va terminer maintenant euh, par créer faire une petite simulation de pli comme si on avait plié la fiche. Donc vous allez voir que c'est vraiment très facile. Là on va venir créer un nouveau calque. Et on va venir prendre notre outil rectangle de sélection. On peut euh, afficher les repères en appuyant sur commande H. Attention hein, que le contour progressif est bien à zéro. Et là on va venir se positionner sur le milieu du document. Et on va venir... Euh, et eh bien descendre notre sélection aussi sur le milieu ici au niveau de la ligne horizontale. On peut essayer de faire une, euh, une sélection de euh, 65 pixels de large. On relâche. On se met en noir et blanc euh, au niveau du sélecteur de couleurs. On prend l'outil dégradé, donc le raccourci clavier CG. On vient cliquer à peu près ici. Donc on suit la ligne, la sélection gauche ici. On clique, on appuie sur Shift, et on relâche au niveau de la sélection à droite. Comme ceci. On peut venir. Euh, on va même pas faire ça, non. On va plutôt remplir directement de noir. Donc on va faire Shift et retour. Et on va venir créer un masque. Donc pour créer un masque, on vient appuyer ici. Et là, on va plutôt du coup sur le masque prendre l'outil dégradé. Et là, appuyer sur Shift. Donc sur le milieu absolu ici. On appuie sur Shift pour avoir un dégradé. Parfait. Et euh, on aurait même pu partir de l'autre côté. Voilà pour faire ce genre d'effet. Donc là, c'est un peu violent encore une fois, donc on va baisser l'opacité, on va la mettre à 20. Donc tout ça, ça va simuler notre pli. Vous voyez euh, Du coup, on peut venir dupliquer le calque. On appuie sur Alt et sur Shift en même temps pour rester droit. Et là, on va faire un petit coup de Ctrl ou Cmd T, clic droit, et on va faire une symétrie horizontale. Si bien qu'on va ramener le début du dégradé ici vraiment au milieu absolu. D'accord Donc là c'est parfait. Maintenant, on peut appuyer sur Alt pour le dupliquer. Et on clique n'importe où, hein, bien sûr. Un petit coup de CTRL-T. On va venir le retourner comme ceci. Voilà, on peut faire entrer. Et là, on va venir bah, le placer encore une fois hein, au milieu absolu, à peu près ici. Voilà. Un petit coup de CTRL T, on va venir l'élargir. À peu près jusqu'ici. Et voilà. Si bien que maintenant ces trois calques que l'on a créé avec des masques, on va pouvoir faire un clic droit, les sélectionner, clic droit et cliquer sur fusionner les calques. On peut euh, le renommer en Simu pour simulation euh, tirer, je sais pas pliage par exemple. Si c'est un petit peu trop violent encore pour vous, eh bien bah pas de souci, hein. on peut venir baisser encore l'opacité, par exemple se mettre à 50. Et voilà, donc là vous voyez, on a une, vraiment une simulation de d'affiche qui, euh, qui a été pliée. Si c'est passé euh, pas visible, hein, vous, vous mettez en 75. Après, c'est vous qui voyez. Donc euh, bah voilà, c'est vraiment une technique qui a à connaître. Hein, euh, vous voyez qu'à partir de rien, bah, on peut créer notre, nos propres mises en situation. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto et euh, surtout ben, que vous aurez apprécié l'utilité des, euh, des calques dynamiques. Ici, on va s'arrêter là pour le mock-up de la fiche. Je, euh, je vais enchaîner sur un nouveau, euh, un nouveau tuto pour faire euh, encore une fois du mock-up, mais avec euh, un écran qui va être un écran d'ordinateur qui va être en perspective. Donc vous allez voir que la technique est relativement la même. Et euh, vous allez euh, encore une fois comprendre l'intérêt des, euh, des calques dynamiques. Donc bah voilà, je, je vais vous quitter. Euh, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez bah, pas hein, à vous abonner. Vous serez tenu informé des nouveautés, des nouveaux tutos sur Facebook aussi, sur Twitter, Twitter et bah retrouvez-nous aussi sur notre site internet www.timmate.fr. A bientôt pour un nouveau tuto Photoshop.